Ok. Désolé, désolé, ma franco. Désolé. Alors, maintenant, je pense que ça va marcher. Ça va aller, d'accord? Ahora sí, yo creo que va ir, désolé. L'Internet était un peu inestable, mais maintenant, je pense que ça va. D'accord? Oui, finalement, on va terminer avec cette première comme, n'est-ce pas? Comme cause connue de tous, una causa conocida de todos, ¿d'accord? Cause connue de tous. Cause connue de tous, et comme il pleut, par exemple, comme il pleut, il n'y a pas de transport en commun, par exemple. C'était la phrase, l'exemple, n'est-ce pas? Comme il pleut, il n'y a pas de transport en commun. Como llueve, entonces no hay transporte público. ¿D'accord? Ok, effectivement. Ça va. Donc, il y a des questions jusqu'à là, non? Pas de questions? Pas de questions, n'est-ce pas? Ok. Ça fonctionne. Ok, merci. Merci. Esta vez sí, disculpen por las interrupciones. Ok. Alors, on va maintenant regarder quelques expressions de plus. Vamos a continuar viendo algunas expressions de cause, d'accord? Les expressions de cause. Et comme étant donné, voilà. Donc, 5, expression numéro 5, expression numéro 6, expression 5, 6. Expression 7, expression 8 et finalement l'expression 9. OK. Étant donné que, voilà, quelqu'un qui veut continuer la lecture avec étant donné que, étant donné que, étant donné que, dado que, siendo dado que, o, sí, siendo dado que, étant donné que, étant donné que, étant donné que. Moi, Vas-y, merci, Debra. étant donné que la cause est un fait constaté, et étant donné que tu as ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Ok, merci, Debra. Tu peux chercher. En este caso, si vamos a prononcer chercher, d'accord? Tu peux chercher un OK. emploi. Un emploi, un empleo, d'accord? OI, toujours quoi? Donc, un emploi. Emploi. OK, merci. Tu peux chercher un emploi. Étant donné que tu as eu ton diplôme, tu peux chercher un emploi. Non? Dado que has conseguido ya tu diploma, puedes conseguir un empleo. D'accord? Tu peux chercher un emploi. Puedes buscar un empleo. Tu peux chercher un emploi. OK. Très bien. Alors, on va continuer avec sous prétexte que. D'accord? Sous prétexte que. N'oubliez pas, ce sont des expressions pour exprimer la cause. D'accord? La causa. Pour la cause. D'accord? Para expresar la causa. Les expressions pour exprimer la cause. Voilà. Mettons, quelqu'un qui veut continuer avec sous prétexte que, 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 bajo el pretexto que, sous prétexte que. Non, personne. Carla Avril, peut-être. Ah, ok, vas-y, merci. Peut-être que les écouteurs ne les croient pas. Si peut-être qu'il est bien, il ne fait plus rien.
Magnifique, merci Carla. Merci, très bien. Ce prétexte que, n'est-ce pas? Ce prétexte que, cause constatée, una causa constatada. Le locuteur, attention, ici c'est la phrase la plus importante. Le locuteur ne le croit pas. Le locuteur non lo cree. D'accord? Par exemple, sous prétexte qu'il est vieux, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien, ¿no? Bajo el pretexto que es viejo, no hace más nada. D'accord? Sous prétexte que c'est une cause constatée. Et le locuteur ne le croit pas. Et le locuteur non lo cree. Ok, très bien. Jusqu'ici. Finalement, on va regarder ces deux expressions. D'accord? Vamos a mirar estas dos expresiones. Siempre a cause de. D'accord? A cause de et grâce à. D'accord? Et grâce à. Voilà. Qui veut lire? À cause de et grâce à. À cause de et grâce à. Quien quiere ayudar con la lectura? Qui veut nous aider à la lecture? Bon. Vas-y, merci, Adriana. Cause négative, à cause du coronavirus, tout est fermé. Grâce à cause positive, et grâce à toi, je vais partir en France. Merci, Adriana. C'est ça, en effet. Esto es bien importante porque va a trabajar siempre de la misma forma. A cause de, pour exprimer une cause négative. D'accord? Pour exprimer une cause négative. Et grâce à, on va utiliser pour exprimer une cause positive. D'accord? Positive. Par exemple, à cause du coronavirus, tout est fermé. D'accord? Tout est fermé. Todo está cerrado a causa de coronavirus, todo está cerrado. No es todo, todos se enfermaron, nada que ver. Tout est fermé, todo está cerrado. D'accord? D'accord? A cause du coronavirus, tout est fermé. Cause négative, n'est-ce pas? Grâce à. Cause positive. À grâce à toi, je vais partir en France. Grâce à toi, je vais partir en France. OK? Grâce à toi, je vais partir en France. Gracias a vous, voy a ir à Francia, d'accord? Grâce à toi. Donc, toujours, il y a une cause négative, une cause positive. No pueden mezclarse, d'accord? Il ne faut pas mélanger les choses. No podemos decir grâce à coronavirus, non? No se puede mezclar. Siempre va a ser à cause de, cause négative et grâce à cause positive, d'accord? Ok, pas de questions là-dessus. Alors, je vous pose la question, comment on exprime une chose neutre? Une chose neutre. Neutre. Une chose neutre. Una cosa neutra. Une chose neutre. Personne? Alors, une chose neutre, on va dire en raison de. D'accord? Pour exprimer une chose neutre. Para decir una cosa neutra. C'est-à-dire ni positif ni négatif. En raison de une cause neutre, una causa neutra. D'accord? OK, en raison de une cause neutre, una causa neutra. D'accord? D'accord? Je vais le mettre ici. Cause neutre. Cause neutre. Une cause neutre. OK? En raison de, n'oubliez pas, en raison de. Très bien, c'est ça, cause neutre. Voilà, il y a la question là-dessus. Hay preguntas, dudas, peut-être grâce à cause de, en raison de, sous prétexte que, étant donné que. S'il vous plaît, Oui. un exemple de casa neutra. Ok, très bien. Merci, Margaret. Par exemple, en raison de l'embouteillage, en raison de l'embouteillage,
En raison de l'embouteillage, la ville est une la ville n'a pas de solution, par exemple. Voilà. En raison de l'embouteillage, la ville n'a pas de solution. Par exemple, quelque chose de neutre, n'est-ce pas? Algo neutre. Ou peut-être en raison de, en raison de, en raison de, en raison de la météo, oui. Oui, c'est ça. Il n'y a pas des oiseaux dans le parc. Voilà. OK, une chose neutre, une cause neutre. D'accord? À cause de la météorologie, il n'y a pas d'oiseaux dans le parc. Par exemple, algo neutro. Algunos les puede decir, está bien eso, otros no. Es algo neutro. Alors, ça dépend, n'est-ce pas? Dependerá quién, de quién, qué tinte tiene, ¿no? Pero puede ser neutro, ¿no? Depende de quién lo dice también. Il n'y a pas, ¿no? Il n'y a pas de oiseau dans le parc. D'accord? Il n'y a pas de oiseau dans le parc. En raison de la météo, oui. Algunos pueden estar a favor, otros pueden estar en contra. Une chose neutre, algo neutre, tal vez. D'accord? Ok, merci. S'il n'y a pas de questions, Avril, Adriana, Carla, Deborah, Margaret, Marisol, Nathalie, Marie, Valentine, ça marche pour vous? Ça fonctionne? Ok. Ça marche? Ça Pas marche. possible. Oh, très bien. Merci. Alors, on va maintenant faire quelques exercices, d'accord? Vamos a hacer algunos ejercicios. Et n'oubliez pas de prendre en compte la valeur, d'accord? La valeur pour chaque introducteur. OK? C'est quelque chose de très important. Sa valeur. OK. Ok, je vais partager aussi cette image dans le groupe de WhatsApp. Ok, je vais partager cette image dans le groupe de WhatsApp pour mieux comprendre ces parties. Et ça va nous aider comme une aide-mémoire, par exemple. Aide-mémoire. Aide-mémoire. Ok, c'est ça. Ok, très bien. Ok, alors on va faire quelques exercices ensemble. Vamos a hacer algunos ejercicios juntos. D'accord? Donc, c'est. Ok, très bien. Et je vais partager quelques images pour mieux comprendre. D'accord? Voy a compartir algunas imágenes para mejor entender esta parte de la cause, las causas, ¿d'accord? Que okay, aussi, voilà. Sí, ça va aider beaucoup. Et en raison de, par exemple. Et aussi, par exemple, ici, oui. Par exemple, un autre exemple pour exprimer la cause. Par exemple, ici, grâce à cause positive, n'est-ce pas? Exemple.
Et grâce à elle, j'ai réussi à résoudre le problème. D'accord? J'ai réussi à résoudre le problème. Gracias a ella, he podido o he logrado resolver el problema. He logrado resolver el problema. J'ai réussi à résoudre le problème. N'est-ce pas? Une cause positive. Voilà. Ensuite, à cause de, n'est-ce pas? À cause de une cause négative. Par exemple, je suis tombé malade à cause de la pluie, mais enfermé à cause de la lluvia. Je suis tombé malade à cause de la pluie. D'accord? Je suis tombé malade à cause de la pluie. À cause de une cause négative. Et finalement, en raison de une cause neutre, en raison de la pandémie, les cours présentiels se feront à distance. Par exemple, ça dépend qui dit la phrase, n'est-ce pas? Eso puede ser algo positivo o algo negativo. Une cause neutre à la fin. En raison de la pandémie, les cours présentiels se feront à distance. Ou en ligne, n'est-ce pas? Comme ces cours. Comme este curso. En raison de, n'oubliez pas. D'accord? En raison de. Et une cause neutre. Una causa neutra. Voilà. Ok, pas de questions, n'est-ce pas, là-dessus? Hay preguntas, dudas? Non, n'est-ce pas? Ok. Très bien. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices ensemble. D'accord? On va faire quelques exercices ensemble. Ok. C'est ça. Ah, ok. Ok. On va essayer de faire quelques exercices ensemble. Voilà. Ok, très bien. Alors, OK. Alors, la question, l'exercice est simple. L'exercice est vraiment simple. D'accord? On va tout simplement répondre à la question pourquoi. D'accord? Par exemple, ici, la consigne dit relie chaque question à sa réponse. Comme dans l'exemple. Par exemple, je vais lire l'exercice numéro 1. Pourquoi avez-vous acheté ces robes? Pourquoi avez-vous acheté ces robes? Réponse, parce que oui ou parce qu'elle était très jolie et elle n'était pas chère. D'accord? Parce qu'elle était très jolie et elle n'était pas chère. OK? Voilà, donc à vous de me dire quelle est la réponse à la question numéro 2. On peut faire quelques exercices ici avant de continuer. C'est un Numéro. J. Le J. D'accord, tu peux lire la question et après la réponse, n'oublie pas avec pourquoi et avec parce que. Ok. Et pourquoi as-tu menti au professeur? J'avais peur de recevoir une mauvaise note. En effet, parce que j'avais peur de recevoir une mauvaise note, n'est-ce pas? Et Joli. maintenant. Lettre J, oh, en effet, lettre J, très bien. C'est ça. Et voilà. Numéro 3, numéro 3. Point. Point, 3, 3. Pourquoi ont-elles, attention, ont-elles étudié hier soir?
Pourquoi ont-elles étudié hier soir? Réponse. Réponse, réponse. Le travail F. Lettre F, d'accord. Tu peux lire la réponse, Carla. Pourquoi on étudia hier soir? Elles sont en très important ce matin. Merci. En effet, parce qu'elles, n'est-ce pas, parce qu'elles ont une épreuve très importante ce matin. N'oublie pas de mettre parce que, n'est-ce pas, parce qu'elles ont une épreuve très importante ce matin. Lettre F, c'est ça. D'accord. 4. Lettre F, pardon, 4, numéro 4. Et ici, n'oublie pas de faire la liaison à ont-elles, a-t-il, sont devons-nous, d'accord, fais-tu, était-elle, parle-t-on et jouez-vous, d'accord, siempre que c'est avec le tiré, con el tiré, es como una sola palabra todo, entonces se tiene que en ese caso sí todo, d'accord, vas-y, numéro 4, 4, numéro 4, vas-y, merci Carla. Pourquoi a-t-il tient sa belle moto? À part ce qu'il préférait les motos plus modernes. Quelle lettre? Quelle lettre? Lettre? J. Lettre J. Lettre J, non. Lettre Pardon, H. H, pardon, H, H, L, H, oui. H, Voilà. parce que c'est le moto plus moderne. Magnifique. Lettre H. Oui, on dit, en français, on dit H. D'accord? Pas H. H, d'accord. Lettre H, très bien. Et ensuite, 5, numéro 5. Numéro 5, numéro 5, à vous, à vous. Numéro 5, 5, 5. Moi. Oh, vas-y, merci, Laura. Et pourquoi sont-ils partis à Marseille et lettre D? Réponse. Parce qu'ils veulent vivre dans une ville de la Méditerranée. Eh bien, en effet, pourquoi sont-ils partis à Marseille? Parce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Veulent, parce que ENT à la fin, on ne prononce nous prononçons ENT, donc, parce qu'ils veulent vivre dans une ville de la Méditerranée. C'est ça, magnifique. 6, lettre 6, pardon, 6, 6, 6. 6, 6. 6, 6, 6. Oh. Six. Six, non? Difficile. Pourquoi devons-nous rentrer tôt? Pourquoi devons-nous rentrer tôt? Rentrer tôt? Lettre, numéro 6, numéro 6. Lettre C. Mes réponses. Réponse, quelle est la réponse? Pourquoi devons-nous contrer tout?
Parce que nous avons des devoirs à faire. Magnifique, bravo Carla, c'est ça. Excellent, excellente réponse. Parce que nous devons faire, nous avons des devoirs à faire. Attention, nous avons des devoirs à faire. Tenemos deberes para hacer. Nous avons des devoirs à faire. Ok, très bien. 7, numéro 7, numéro 7. À vous, à vous. Numéro 7. Numéro 7, 7. Vas-y, vas-y. Et pourquoi fais-tu du sport chaque matin? Moi, Vas-y, vas-y, merci, Marguerite. letter A, H, A. Alors, Pourquoi fais-tu du sport chaque matin? Parce que j'ai besoin de bien commencer ma journée. ok, c'est ça. Très bien, Marguerite. Bravo. Matin, n'oubliez pas, matin. I-N-E, pardon, N, chaque matin. Pas matin, 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 matin. Pourquoi fais-tu sport chaque matin? Oui, on le fait parce que j'ai besoin de bien commencer ma journée. Excellent. Numéro 8. Merci, Marguerite. 8, 8, 8. Numéro 8. 9 et 10. Pour finir. Letter B, oui, non? Ok. Et pourquoi était Nevers à la guerre, parce qu'elle attendait ses copines pour prendre les trains. Exactement, lettre B, en effet, lettre B. Et en effet, parce qu'il attendait ses copines pour prendre le train. C'est ça. Et pourquoi était-elle nerveuse à la gare? En effet, parce qu'elle attendait ses copines pour prendre le train. Et finalement, numéro 9 et 10, pour finir, numéro 9 et 10. Vas-y, Nadjeli, merci. El 9 es parler de mon téléphone. Et on écrit de plus en plus de textes. Alors, ok, Nadjeli, n'oubliez pas pourquoi. Pourquoi parle-t-on moins au téléphone? Oui, parce qu'on écrit, de plus en plus de textos. D'accord? Parce qu'on écrit avec l'apostrophe. Parce qu'on écrit de plus en plus de textos. D'accord? N'oubliez pas de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus? Qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus? On écrit de plus en plus de textos. Qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus? Qu'est-ce qu'il a dit de plus en plus? Es como decir de tanto en tanto. Alors, il y a des expressions en français. De plus en plus. De plus en plus. Il y a aussi une autre expression. De moins en moins. De temps en temps. Voilà. De plus en plus, ça veut dire cada vez más. D'accord? De plus en plus, cada vez más. On écrit de plus en plus de textos. Escribimos cada vez más mensajes de texto. D'accord? Cada vez más. De plus en plus. De moins en moins, cada vez menos. D'accord? Cada vez menos. De moins en moins. Cada vez menos. Par exemple, on téléphone de moins en moins.
Cada vez menos hablamos, ¿d'accord? Par teléfono. Pourquoi? Parce qu'on écrit de plus en plus de textos, n'est-ce pas? Porque escribimos cada vez más textos, ¿no? Voilà. Y hay otra que es de temps en temps. Este sí es de tiempo en tiempo. O alguna vez, ¿no? De temps en temps. De tiempo en tiempo, ¿no? Voilà, exactement. Pour finir, numéro 10. Numéro 10, numéro 10. À vous, à vous. Numéro 10, numéro 10. Alors, qui manque? Vas-y, merci, merci. Très bien. Pourquoi je vais dans un groupe de rock? Parce que nous aimons écouter et faire de la musique. Eh bien, en effet, parce que nous aimons écouter et faire de la musique. C'est ça. Très bien. N'oublie pas pourquoi. Alors, on va utiliser parce que pour répondre à la question pourquoi. D'accord? Siempre van a ir juntos los dos. ¿Por qué? Y por qué, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour poser une question et parce que pour répondre à la question. Pourquoi? Para hacer una pregunta y parce que pour répondre à la question. D'accord? Et n'oublie pas, en français, on dit poser une question. D'accord? On va utiliser le verbe poser une question. Poser une question. Eso significa hacer una pregunta. Y no vamos a utilizar el verbo faire. No, eso no funciona en francés. ¿D'accord? Ça ne fonctionne pas. El verbo faire une question, ça ne marche pas. ¿Ok? On va utiliser el verbo poser. Poser une question. Eso significa hacer una pregunta. ¿D'accord? Ok. On continue. Si no, pas de question, on continue. ¿Pas de question? ¿Pas de question? No. Oui. Ok. Pas de question. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer, d'accord? On va continuer à faire quelques exercices. Et je vais relancer la réunion, d'accord? Pour mieux travailler ces dernières minutes, ces dernières à peu près 15 minutes, 20 minutes. Je vais relancer la réunion et on va continuer, d'accord? Voy a lancer nuevamente la réunion para continuar y así trabajar sin interrupción. Ok, désolé pour la conexión. C'était, alors, pour l'instant, j'avais une mauvaise connexion, mais pour l'instant, ça va. OK, donc je vais relancer la réunion. On se retrouve dans quelques secondes. Merci.